509. Madame Alexandre, avec un pile plaisir que n'a pas accueilli ou sauvé au Acréole, la voix de l'Amérique. Bonsoir, monsieur Bélizier, que n'a accueilli, mais bonsoir tout le monde qui a attendu, qui a regardé. Jean, monsieur Bélizier, dit, en avril, c'est mois international sensibilisation autiste. Donc, il n'y a pas de meilleur de l'heure pour recevoir au monde qui a bataille pour une cause pour l'éducation communautaire. Encore une fois, merci. Donc, on dit, n'a bataille, on va parler de organisation autisme 509. Dis-nous, qui sont capables de présenter Autisme 509? Autisme 509, c'est une organisation, une non-profit organisation, qui la mission, c'est pour éduquer la communauté sous conditions saluées autisme. Ensuite, supporter par parents à travers programmes et services. Ensuite, militer avec tout pour une acceptance avec une inclusion qui est plus juste. Donc, c'est mission Autisme 509, nous l'avons nous fondée depuis 2015. Mais dis-nous non, et fais amis téléspectateurs, auditeurs, comprendre ça autisme là même. Autisme, premièrement, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas un bas ou un test sans protection de l'autisme. Autisme, excusez-moi, c'est un problème neurodéveloppemental. C'est une condition qui affecte le cerveau et qui automatiquement affecte tout le sens au gagnant. Donc, les principales caractéristiques à un monde qui a autisme, pour qu'il joigne, il y a un problème pour interagir avec l'autre monde. Il y a plus souvent pareil qu'il retire dans le propre monde par eux. Il y a un problème de communication. Ensuite, il y a un comportement répétitif. Sur ces trois principales caractéristiques pour qu'il joigne, car un monde qui est dans le spectre de l'autisme. Madame Alexandre, il y a plusieurs pathologies, il y a plusieurs problèmes. Pour qui ça c'est autisme 509 là que ou même ou choisi et bataille et pour lui? Premièrement, moi, bon, jeune femme qui une jeune femme, je veux dire, qui a 26 ans, qui a autisme. Et petite, moi, fait en Haïti. L'homme de remarquer que il y a un développement qui pas normal, ça t'est alerté. L'homme vient aux États-Unis, au bon diagnostic autisme, c'est la première fois que t'étendais ça. Et à cette époque, pas de rien vraiment pour Haïti. Donc, on t'a décidé de rester ici pour me faire une ressource à service pour petite, moi. Et dans sortie de quand on y a cherché ressources à service, moi, le comportement communauté nous à travers face à une disabilité en général. Donc, stigma, et nous avons intention, nous toujours avons intention nous-mêmes dans la communauté haïtienne, mettre les gens qui ont une disabilité sous-côté tant qu'ils pas existé. Et tout le monde drame qui passe dans la vie, nous avons rencontré leurs parents qui sont tirés en SN10 et tout, qui lui-même te commet suicide et tu es petit. Mes parents, ça t'a quitté en lettre pour me dire que leurs sont parents qui vont dire qu'ils ont besoin spécial, ils ont juste besoin d'épaules pour mettre tout. Et ça, ils ont peut-être un petit genre poussé à aller vers militance pour autisme en communauté, parce que ça m'a dit, si je t'ai empêché un parent en communauté de faire ça, et m'a content. Et c'est depuis là que ça m'a rentré dans l'advocacy. Bataille pour communauté, parce que nous connaissons le sorti de loi. En plus de toute stigmatisation, mon problème langue et barrière langue tout. Donc, nous avons décidé de mettre en advocacy depuis 2007-2009. Ensuite, émission, c'est pas seulement moi-même comme parent aux États-Unis. Mission, Jean Durand, supporté par à travers programme et service, by parent formation. Mission, c'est pour tout parent qui gagne petit, qui gagne autiste, tout parent haïtien qui gagne petit, qui gagne autiste, quel que soit qu'on doit vivre. Madame Alexandre, ou même c'est un exemple typique parce que on dit que ou une jeune femme qu'on y a, qui gagne 25-26 ans. Et est-ce qu'on peut partager pour avec les amis nous expérience ou avec petit ou qui j'en vivent qui j'en relationnent qui j'en échangent surtout qu'on parle de problèmes de communication sociale, expliquez-nous qui expérience que vous faites avec peut-être que ce gain qui est réjouissant gain tout qui peut être triste, partagez avec nous. Tant que tout le bagage dans la vie, il y a des bagages qui sont contents, des bagages qui font triste, c'est ça la vie. Mais le parent pour un diagnostic et petit ou gain autisme, m'assumer n'importe quel besoin spécial, c'est un coup pour coup matos sous tête tout, parce que ou pas jamais rêvé font si moun qui ont besoin spécial. Bah, ou connaît le petit moun avec, faut commencer par, premièrement, éduquer ou sous condition, ensuite pour accepter. Acceptation, on y prend un pile temps pour vraiment accepter. Et puis, pour continuer, pour chercher ressources et services pour petit tout. Gain deux jours pour jeûner aujourd'hui,
ou crier, gen de jou contentou. Et tellement que gen changement positif, ou ti dim pote l'envie ou, et ton coup patience et tolérance, empathie, donc ou ti dim moins sûr, le parent cap d'accord avec, ou ti dim pote plus bagaille positif l'envie ou parent. C'est sûr que ta comparé petit ou ta comparé ou bien moi même qui vont seul petit, m'a dit que m'a pas jamais espéré peut-être grand-mère petit, même marié, il pas aussi indépendant, et thérapie ou te difficile, tout début ou te difficile, mais petit moun bon pile joie tout parce que en général un individu qui autisme bon paquet bagay li pa gagné li pa judgmental li pa menti li pa bon paquet l'autre bagay qui dehors pa gagné donc côté perdu un côté ou gagné un côté c'est ça me t'a dit jodi j'aime dire mon petit qui 26 ans li jusqu'à présent pa gagné habilité pour qu'un bon conversation moun mais et li exprimer sa besoin li aussi indépendant que possible et tous ils sont jeunes artistes qui peignent donc malgré tout parent mon cap tande yo et gen faiblesse c'est sûr mais gen potentiel tout pour que nan lutte moi konwe que ou utiliser des artistes très connus en Haïti pour parler de autisme et est-ce que pendant moi ça est-ce que ou gen pour faire même bagarre là encore. Bon, nous faisons déjà, et Anissa, nous allons suspendre. Merci, monsieur Bélizier, que t'es monté à bord avec nous 3 ans de ça. Font belle vidéo sensibilisation pour nous. Et nous toujours gain artiste Belo, qui toujours commencé mois d'avril, là, pour nous, t'es là. Nous gain monsieur Benjamin, Lionel Benjamin, t'es là. Et Anissa, Denis Seyid, monté à bord avec nous. Et nous pensons que l'homme, nous toujours dit l'homme, on a un micro, on a un certain pouvoir, parce qu'on a une quantité de monde qui attend. Nous ne pensons pas un meilleur choix que ça. Choisir un tissu que nous attendons, nous respectons, nous adorons pour monter à bois avec nous pour faire sensibilisation. Ça. Anissa, nous avons Denis Seyid qui monte avec nous, qui a une superbe vidéo. Donc, Denis Seyid, c'est maestro, groupe qui très aimé ces derniers temps. N'a parlé de Zafem. Mais qui programme Anessa et Autisme 509 gagné dans l'occasion mois d'avril? Bon, on fait tout le programme pendant toute l'année, nous faisons Facebook Live pour nous adresser de sujets qui sont importants. Donc, on parle face à autisme, l'église face à la disabilité. Mais spécialement Anessa, nous avons toujours visé trois premières états qui ont la population haïtienne qui est plus élevée, Florida, New York, Massachusetts. Donc, nous, New York, là, pour le moment, nous avons préparé la première conférence de New York qui est samedi 27 avril en boucle. Donc, ça nous remarque que on bagaille que le parent yo et expérience en pile parent haïtien le nous sorti de yo on a nous joindre ressources c'est vrai dans pile ressources dans pile service nous c'est une communauté qui bénéficie moins de services ça yo pour qui ça stigma et génération trauma et puis tout langage barrière donc nous même aussi 509 une fois de plus nous décider faire conférence complètement en créole. C'est sûr, on a bien interprète qui traduit en anglais, mais pour nous cas, parce que le que c'est ou culturellement connecté, nous parlons même langue, connexion fait plus facile. Donc, Anessa, aussi 509 décide de faire conférence en New York le 27 avril, qui samedi prochain, la YMCA, Brooklyn, New York. Madame Alexandre, nous connaissons que WAP fait ça ou il en anglais advocacy, WAP. Ou ap fè moun konnen problèm nan, ou ap potèl bay plusieurs instances, notamment organisation internationale, notamment Nations Unies. Ki jan ke organisation internationale sa ou réagi par rapport ak lut sa ke Autisme 509 ap mené? Réaction très positive, yo collaborer avec nous, et pas oublier nous son gros communauté haïtienne. Aux États-Unis, nous tout partout. Donc, en plus de organisation, on dit, que ce soit aux États-Unis, Canada spécialement, même en Afrique, même India, nous collaborons avec des organisations, parce que nous tous ensemble, dans la bataille pour même bagarre, pour éducation communautaire, pour une meilleure acceptance avec une inclusion qui est plus juste. Donc, nous toutes organisations, nous avons même objectif là. Et, Autisme Favona était supposé participer au panel discussion Nations Unies. Et puis, il y a COVID-19, ce sont des bagages qui reportent. Mais nous remarquons que pendant ces dernières années, premièrement,
Nations Unies pas fait présentiel, c'est virtuellement, et pendant ces dernières années tout, c'est pas bon question, si j'en plus à l'avant. Donc, nous enregistrons, nous connaissons Autisme 509 avec un panneau de discussion, que virtuel ou présentiel de avril 2025. Mais, j'en dis, l'autre organisation, ou bien, parce que nous sommes population, nous sommes population haïtienne aux États-Unis. Donc, l'autre organisation, et yo collaborer et pas monter à bois avec nous, collaborer très bien avec nous. Qui en plus, parce que tant qu'on toujours dit, si nous même Autisme 509 nous parlons pas attendez nous, le nous met devant ensemble à l'autre organisation, nous voir privé plus loin. Madame Alexandre, alors que nous prenons le fini, qui message que tu as gagné pour parents? Parents qui vivent avec un petit monde qui gagne autisme, ou bien un parent par exemple qui fait prendre nouvelle là, qui et message qu'on gagne pour yo. Parents, si vous faites bon diagnostic, moi connais les difficiles. Moi connais les prend temps pour accepter parce que c'est pas sorti le jour pas prévu un petit qui a aucun problème. Mais tout autant prend temps pour accepter pour sortir de des ressources, les plus difficiles parce que plus bon et plus bon. Le plus tôt que vous sortez de là pour aller aux ressources, des services, plus chance parce que c'est étude qui fait. Puis bonheur commencer thérapie, puis bonheur une chance pour un petit monde qui est plus indépendant que possible. C'est ça me t'a dit parents. Et communauté, leur pas comprendre nous-mêmes parents pour nous temps. Moi-même qui parle là comme un an avant de réussir à sortir de là pour chercher ressources et militer. Donc communauté, essayez de comprendre nous. Pas juger nous, éviter faire de comportement péjoratif, accepter nous. Sous pas comprendre, pas dévisager, pas faire mauvais commentaire, sous pas comprendre, poser une question. Communauté, ça me veut dire nous. C'est normal que l'on a un petit monde au mall ou bien au shopping center, li boucher les oreilles ou bien faire de cri la brûler. Pas faire commentaire péjoratif. Pas juger parce que ou pas connaît. Ou pas ou moun nan nuit qui vont lui mettre droit dans les yeux. Pas faire de commentaire parce que c'est des moi son monde qui a autisme, qui a problème sensoriel à yeux, ni obligé de mettre lunettes noires. Posez question plutôt. Posez question, mandez parents ou voisins qui sont des parents. Mandez aux parents qui ont autisme comment ka aider. Parce que étude faite, aux parents qui ont besoin spécial en général, degré stress, c'est comparé avec un soldat qui est dans la guerre. Nous, parents, nous avons besoin d'empathie, nous avons besoin de compréhension, nous avons besoin d'acceptance, nous avons besoin d'inclusion. Nous-mêmes, tous parents, nous avons obligation envers même communauté pour nous éduquer sous condition. Donc, c'est comme ça qu'on a une communauté qui est plus inclusive et qui est plus bien-être. Sont ces messages simplement des parents encore le bon commentaire péjoratif qui fait un regard qui bat un mauvais regard pas prendre personnellement le plus souvent c'est parce que nous n'a pas comprendre juste profiter de l'opportunité ça pour éduquer nous dans sous condition de l'autisme. Donc si bien comprendre madame Alexandre dans lutte que vous menez et dans niveau ça ouvert pour capable aider communauté haïtienne qui gens monde capable à joindre nous. Bon, suivez-nous sur Instagram, Autisme 509, suivez-nous sur Facebook, Autisme 509, pour parents qui gagnent, nous gagnons un groupe de support, parents, quel que soit leur pays ou leur vivant, nous avons un groupe de support qui gagne parents là-dedans avec professionnels là-dedans. Ensuite, connectez avec nous par téléphone, 917-500-1421 et puis autisme509@gmail.com. Nous sur Facebook, nous sur Instagram, nous sur YouTube. Suivez Chanel Noir. Parce que Chanel Noir, c'est de vidéos éducatives qui gagnent. Là, sur Chanel Noir, on joue une information. La langue parle, la réalité parle face à un petit monde qui gagne autisme. Nous devons profiter de l'occasion, ça a un conseil spécial pour parents qui gagnent un petit monde qui gagne autisme qui vivent en Haïti. Nous connaissons comment difficile pour parler en Haïti, avec Timous, avec tout problème sensoriel, ou kagayen, ou fermé, c'est y a temps de tirer. Samedi, eh bien bon, là dans l'île, il votait, le président Joe Biden signe, qu'on y a le tout non loi, qu'on y a l'agence, c'est près de 95 milliards de dollars, qui, pour, pas seulement pour Ukraine. Alors, Ukraine a pu une pifon dans l'agence, soit peut-être pratiquement presque deux tiers dans l'argent par jeune Ukraine et puis on pratique par jeune Israël, qu'on pratique par jeune et Taïwan.
et nous accueillons dans l'Indo-Pacifique là, nous avons Taïwan, nous bouche l'ouvrir avec la Chine. Donc Taïwan a préparé pour six au cas que la Chine a décidé d'envahir pour être capable de défendre tête lui. Et puis, bon, nous voyons qu'elle a fait qu'on est tout dans l'argent, assistance dans tout, surtout, et aide humanitaire, gain quelques autres pays qui n'ont conflit, qui capable de nous parler là-dedans, en plus du territoire Gaza. Donc, n'a cherché qu'on est suivi mon regard. Qui est puis il met pas une trop de détails qui baille sur question cela. Donc c'est comme ça lié. Donc les États-Unis dit il pas perdre du temps là, la commence voyez assistance et munitions avec armes Biden, surtout roquettes et lance-missiles et Biden pour qu'il est capable et défendre contre ça relie agression la Russie qui lui-même commence à occuper aussi des territoires là qu'à Ukraine, donc permettre que Zamsa capable des armes la pression capable permettre que lui continue bataille à contre la Russie après qui pas rentrer dans la troisième année depuis guerre ça lui commencé. Donc président chambre député à le président Sénat. Donc l'idée majorité dans le Sénat n'a pas Mitch McConnell, c'est Chuck Schumer. Et bien il dit que le un message pour le président ukrainien pour dire que maintenant nous avons l'argent qu'on a à le soutenir, à le gommer pour qu'on va remporter la victoire. C'est le message ça que livre le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Alors ça va gagner gros actuel sur international, gagner seulement sur le pays d'Haïti. Eh bien bon, et l'État semble que préparatif a fait gros planification dans niveau international, dans haut niveau qu'a fait pour justement pour dans qui mesure et membre conseil présidentiel provisoire, bien conseil présidentiel intérimaire, bien conseil présidentiel là, bien Gengou, il faut qu'a fait pour que éventuellement tu es capable d'installer et jeudi 25 avril là, mais c'est pas en garantie parce que gain tellement impondérable qu'elle a changé de venue, c'est prévoir pour être fait dans l'appareil national, mais qu'elle a choisi pour être fait dans l'autre côté qu'on y a là. Et qu'il y a un petit bouche l'ouvrir tout, entre Mamio, surtout représentant monde, et parti qui voulait Mamio en dedans, et conseil là, et qui semblait préférer que gagne élection à l'UDOD d'abord pour désirer éventuellement président ou bien coordonnateur, et 9 membres conseil là. Donc, il y a une discussion qui a fait, il y a des partis qui d'accord, il y a des partis qui pas d'accord, il y a d'autres qui d'accord, il faut que l'installation soit faite d'abord, ensuite, il est capable de faire vos élections, mais il y a d'autres qui d'accord, il faut que l'élection soit faite, et il faut que l'élection soit faite d'abord, avant l'installation. Il y a d'autres qui disent l'installation d'abord, avant l'élection. Donc, encore nous connaît. Donc, l'hérité pour nous est seulement, et vu volatilité gain dans le pays actuellement pour question gain américain similaire et par national pas semblé offrir garantie et sécurité qui nécessaire étant donné que nous comprenons la situation de sensibilité gain quartier général qui tout près donc t'as deux zones qui en plus de sécurité et pourtant et gang améo continue à voyez coup de balle, tir coup de balle sous palais, avec espoir que Dieu t'a amené pour un contrôle par national. Donc, c'est là, nous, jusqu'à présent. Et puis, bon, pression, toi, fait sous conseil à tout pour commencer le travail, parce que conseil va grand-pile dans le vent. Conseil à peu près 20 mois. 20 mois pour faire tout ça que yo dit, tout ça que le gain en feuille de route pour le faire, et bien, tout ça. Et c'est comme ça, mardi, et 23 avril là, il y a un avion militaire, un avion militaire, mais qui n'est pas n'importe quel avion militaire, c'est un avion de transport qui habite transport et tout, et un avion qui fait pour mauvais terrain, côté Paris ou aéroport, par exemple, un avion ça a été venu à Haïti, il était à descendre à l'aéroport. Mais d'après ce que ça veut dire que tu es porté, matériel pour le national là, avec l'armée d'Haïti, éventuellement, tu es tout porté, tout. Venir avec le personnel pour sécurité ambassade américaine dans Port-au-Prince. Je dis à des grandes manifestations devant Binu, mais pour une raison quelconque, manifestation ça l'y envoyé pour l'autre date. Donc, mais entre temps, volatilité dans le pays, pas bien. Donc, pays pratiquement pays étranger, ou pays amis d'Haïti qui étranger.
ils ont pratiquement évacué tout étranger qui était disposé pour quitter le pays d'Haïti, et bien, évacuation finie, qu'on y a, donc, qu'on y en a peut-être seulement. Il y a une compagnie aérienne, surtout, et une ligne aérienne internationale qui a desservi Haïti, et bien, qui était campé vol depuis, dans le commencement de mars là, et bien, il t'a semblé que, il est probable que vous êtes capable de commencer dans le mois de mai si tout le bagage marche normalement. Ça n'a pas eu vol sur Port-au-Prince. Parce qu'il y a un vol très limité dans la ville cap-haïtien et à Miami. Donc, vol ça a très limité. Donc, démarche qu'a fait pour si les conditions que compagnie assurance s'était posée, ben, il y a une posée, puis il y a une retourné au principe, pour détruire tout ce qui a été construit dans flanc, muraille, qui sépare l'aéroport avec l'autre voisinio. Et bien, il y a demandé pour tout cas, ça a été détruit. Effectivement, le gouvernement a été fait des massages. Puis il faut en carré détruit, donc peut-être il était sûr, mais tout autant que les conditions ne sont pas remplies, et mais pas quand il y a fait. Dans l'autre cas de mini-actualité, il y a Royal Caribbean Airlines, Royal Caribbean Cruise Line, et bien lui-même, nous avons quitté, qui ont stop-over dans l'Abadi, dans le pays d'Haïti, et bien qui était campé opération en Haïti à partir du mois de mars, mais il y a écrit éventuellement clientèle yo pour informer yo que eh bien yo campé sur tout stop de conférence en Haïti et bien yo campé jusqu'en septembre 2024. C'est un coup dur pour dernier secteur ça dans domaine touristique là t'es qu'on aide économie dans zone là et bien avec artisanat artistes qui vendent bah ça et bien son emploi donc et présence et cousin là ou bien encore croisière ça t'es qu'on fait dans zone là avec un stop et bien l'été qu'on porter un bail dans son coup mais au dire campé et certainement clients qui t'es gain réservation qui t'es gain pour et fait voyage là pendant tout l'été, et bien, il recevait information pour dire que, croiser la pape campé. Donc, il fait d'autres propositions, il est capable d'aller mener dans l'autre port, ou bientôt faire qu'il doit passer une nuit en plus sous de l'eau. Ça, non? Donc, alors, et compagnie qui plus affecté, compagnie que Mésus a touché, c'est d'abord Adventure of the Sea, gain Independence of the Seas, gain Liberty of the Seas, gain Freedom of the Seas, et puis gain Symphony of the Seas. C'est-à-dire, c'est trois, c'est quatre, c'est ça. C'est cinq croisés, ça, qui est habitué, j'étais là. Non, pour la Badia, qui sont pour qui, pour Wild et Caribbean Cruise Line. Donc, c'est nouvelle ça qu'il a annoncé. Alors, les dirigeants, c'est justement pour garantir sécurité clientèle là. Ils sont pour protéger clientèle là. Et à cause de l'incertitude qui vient dans le pays, à tout bas, ça, donc, ils ne peuvent pas risquer la vie et passager. Nous, comme ça, ça veut dire tout. On va voir comment ça t'a passé et qui ça pas le dit tout. Donc voilà, c'est comme ça y est. Et puis, concernant l'activité gang qui bloque le terminal Vare, nous appelons, il n'y a pas à contrôler, il prend contrôle et installation même côté qui kembe gaz, qui pour desserre le pays, non, mais il vini, il prend camion qui gagne l'été qui est en chargé avec et pour du pétrolier, et bien, vous prenez le croisé dans route là, vous bloquez. Parce que ça veut dire que le camion, ça, qui n'a pas qu'à aller, et l'autre camion n'a pas qu'à sortir dehors, vient prendre gaz, puis aller mettre dans le pétrolier. Ça veut dire tout simplement, ça va le créer très certainement, on rate le produit pétrolier sur le marché et local là. Donc, c'est ça, nouvelle là, et puis, et pour fanatique Livre en Folio, eh bien, organisateur et 30e édition Livre en Folio, ben, a annoncé que, édition Anissa, qui a été faite dans le mois de mai, eh bien, d'y envoyer Sinédié, donc, jusqu'à nouvel ordre. Donc, encore conditions sécurité, encore, et rendu difficile pour mon cap écrit Livio, écrivain, tout le monde qui baille, pour venir participer, était certainement organisateur, parler, était certainement risquer la vie. Et clientèle là, donc, pour raison ça, ils ont envoyé. Et puis, voilà. C'est ça, oui, nous avons longtemps de ne pas parler, donc, nous sommes bien contents de parler avec nous. Je dis à Jacqueline dans le cas là.
et Fred Nankalatou, et puis bon, Abela, et puis nous gagnons tout gentil, Augustin, tout. Je veux dire, on va parler nous surtout de nouveaux ou bien propositions de loi, ça que le président Joe Biden signe, et qui ont leurs conséquences pour nous-mêmes là, nous-mêmes qui gagnons et compte nous avec l'application chinoise que le TikTok là. Eh bien, et là-dedans, là, alors, monsieur a profité de proposition de loi, ça a eu inclus. Il a inclus une autre loi là-dedans qui est pour avec TikTok, qui très certainement nous connaît qu'on a été convoqué. Et CEO, ou bien encore et comité, ou bien responsable, et TikTok, qui est venu témoigner devant le Congrès, pour te dire que, parlementaire, voilà que vous voulez que la Chine, à utiliser, ou bien encore capable d'utiliser information et américain qui près de 170 millions et utilisateurs TikTok, application TikTok ça, et ou même ou capable côtoyer à tout, capable son yon utilisateur tout, et bien il te dit que il te dit TikTok soit vendre application ou vendre programme en net by yon autre entité ou bien nous interdit aux fonctionnaires aux États-Unis. Donc, pour qu'on y a là, TikTok a 9 mois devant nous pour prendre une décision, vendre, ou bien encore rester là, et puis qu'on a ou bien loi entre et mesure entre en application, et puis interdit que le fonctionnaire aux États-Unis. Il y a possibilité pour avoir l'autre 3 mois. Mais pour selon les responsables dans TikTok, on peut dire même. Bah, t'as la fête commencer, il a dit tout le monde posez pour qu'on y a là, parce que même, il n'y a pas eu une guerre à faire, qui dit qu'il y a parlé de violation, liberté de la parole, etc. Donc, son bail qui est capable de prendre dans le tribunal, et dans le tribunal, et l'élève dans le tribunal, il peut aller dans, si le résultat n'est pas satisfait, il peut aller dans le coup d'appel, les deux parties, hein. Il peut aller dans le coup d'appel, et s'il va avoir marché, il peut aller dans le coup suprême. Donc, il dit que son bail qui fait commencer, donc, posez tout le monde. Donc, et second compte avec TikTok, continuez à faire ça à faire, continuez à faire en attendant que y une décision finale qui prenne en sens ça. Et voilà. Donc, parce que, et chambre députée a déjà, un peu d'effort, un peu de pression, même quand fait sur TikTok, mais parce que, comme son, on y a une application qui semblait que, qui est un support à la Chine, ou bien que la Chine, elle est à posséder, eh bien, ils craignent que la Chine peut utiliser l'information, utilisateur à d'autres fins, à d'autres causes. Bien que, et si, ou bien encore, le comité directeur a dit eux-mêmes, pas gagné sa pièce, et que si, notamment, du peu français, pas bien faire, mais encore, nous étions pour nous, et ça va passer qu'on y a en dessous pour nous. Voilà. Donc, dans l'hôpital, dans le journal radio sur télévision, et que Jacques Mbizi a présenté nous, et puis moi-même, très certainement, on a pas même sous tête d'Okaï là. Et côté, m'a parlé nous un petit peu de ça a passé, m'a va une introduction sur justement, sur les célébrations, on est capable de dire, parce que justement, le président Joe Biden, il est reproché républicain, et. Il y a persécution politique. Claude! C'est premier monde, c'est Claude Joseph aidé avec famille Lavalas qui a proposé la CARICOM commission transition cette thème. Moi ça nous toujours dit. Nous toujours dit c'est acteur haïtien yo et qui CARICOM vient imposer comme si on vient plein dans pied CARICOM et on vient dit CARICOM mon cher comme on connaît la réalité bagaille bon regardez ça n'a fait pour nous mais c'est qu'a proposé mais CARICOM a problème nous CARICOM dit mais comment ça nous voulez pas de problème à camper derrière nous mais nous d'accord mais que mais Kounia, est-ce que nous doit prendre et si n'a peut analyser décortiquer et chercher liaison qui gagne entre ça que heureusement j'ai déclaré là parce que les gars de Claude Joseph comme monde qui a joué une CARICOM et pour monter conseil présidentiel là. Eh bien, est-ce qu'on y a un patakadi, Léon Charles, l'a parlé, elle déconne à qui est-ce qu'elle t'a parlé? Mon cher, on va parler pour Léon Charles, non? La ou comprend moi qu'on a gros bagage sur réseau que les 10 garçons sous ces 10 garçons parler pas me parler bail en daki ou petit bagage là dit le clair et bien heureusement j'en ai même comme heureusement je suis calbas grand jol lié
Je sais qui est pour pas pêcher à l'air, vous comprenez? Je sais que c'est qui est pour pas pêcher à l'air. Heureusement, j'ai dit bagaille au cri lui-même. Si quelqu'un est capable de passer côté, capable de passer sous côté, heureusement, j'en parle, passer sous côté, dit bagaille à la clé, et puis à la droite, les Ivenes. On avance avec heureusement, j'en toujours. Faut nous connaître ça pour l'histoire, pour la vérité. C'est Lavalas, et nous connaissons qui est Lavalas, qui est joué dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Dans tout le mouvement Lavalas, il nous faut chavirer les chaudières. Puis on jette et mange pour le peuple. Je dis à tout le peuple dans le goût, alors que Lavalas chavire chaudière. Lavalas, dans toute manifestation, je te dis, slogan, il faut que tu chavire chaudière. Mais qui c'est que tu as pris dans chaudière? Mangez pour le peuple haïtien. Je dis à chaudière chavire, manger à tomber, et qui est pour nous, qui est avec cuillère, qui a ramassé, qui veut ramasser dans la bois, toujours Lavalas, qui vient avec le civoté. Ça veut dire, commission qui l'a, commission créée qui l'a, même dit nous. Mouais pays a pas campé pour nous goûter contre commission créée là. Mais m'a dit nous, c'est ça relé. C'est unification les assassins de Jovenel Moïse qui fait à travers le conseil créé là. Ou prend aide, ou prend unité, uniforce. Après 21 décembre, tout l'ensemble des partis politiques, l'on prend dernier, comment relé, 30 janvier. Accord 30 janvier. Moi-même, ça que quelqu'un va sauter, c'est parce que moi, il me l'a remis là-dedans. De quoi il me l'a remis nos bagages la brabi? Pas besoin de peine, pas besoin de casse. De quoi il me l'a remis nos bagages la brabi? Mais, donc on nous dit, il faut que nous ayons un peu de décence. Moi, j'avais assez. Mais il y a connu que c'est le monde qui a participé, planifié, cocoté, organisé, financé l'assassinat de Jovenel Moïse pour mener le pays à là, qui regroupe en deux conseils de transition. Et de ce fait, nous pas écarté aucune alliance. Quel bon. Nous pas écarté aucune possibilité pour nous participer dans tout mouvement qui visait craser le conseil là. Jean Louis. Et l'emmener dans les partis ça des Ivenes, on te dit oh, c'est pas oublié. Nous sommes citoyens d'abord avant d'être journaliste, nous sommes citoyens du monde et nous sommes citoyens haïtiens. Moi dit que oh, pour ça qu'a passé là avec bandi vivant Samyo, pour heureusement Jean que quitte la porte au bataille de révolution pour le dire que yo pas écarté toute possibilité d'alliance, me dit mais non. Mais nan fin et conférence ça, nan une question que un confrère journaliste pas posé heureusement, l'elle dit est-ce que ça veut dire que le prêt pour faire alliance avec monsieur bandi vivant Samyo? Heureusement Jean dit non. Li pa nan, yo pa nan kesyon alliance avec bandi viv ensemble. Yo même y a fait alliance avec tout le monde qui croit que je dis hein, que conseil là, li pa légitime et conseil ça son équipe bande monde qui participer dans assassiner président Jovenel Moïse et qui était besoin pouvoir et qui mené pays à côté de là et yo même yo pa nan alliance avec viv ensemble a fait parle mais yo même y a fait affaire pa yo qui c'est yo même craser système et permettre que pays ça libéré. Bon, c'est ça où j'avais comme réponse que nous calter depuis devant. Même des fait camper ça juste parce que moi même l'aime fait tendre, moi t'ai prend temps parce que me dit ben fin temps de toute intervention heureusement Jean parce que pour moi ça dit ça que me t'a pensé moi est-ce que c'est ça exactement des Ivenes. Vous avez du bagage. Très bien. Même parce que heureusement Jean c'est nèg qui gagne contrôle là ria et qui prend dans tout le dialogue là ria. Exactement. Les prudents, les lap disons bagaille, les veut prendre engagement. Si heureusement j'ai été foncé avec Vivre Ensemble, l'étape dit lui. Eh, si t'as une alliance avec Vivre Ensemble, l'étape dit lui. M'sieur Kikari. Parce que c'est n'est qui direct, c'est n'est qui franc, qui gagne franc parler. Depuis le jour où la fond bagaille la fait, il n'y a pas d'envoyer au cas humain. Ouais, et commissaire gouvernement Port-au-Prince, t'es besoin de mettre monsieur dans marron, mettez monsieur dans caché. Monsieur, mettez un dossier viande. Bon, bien. Tout le monde de Guillaume là. Mais, papa, je ne dis rien. Et puis, et bien, dit pour le marché des prisonniers qui t'es sauvé dans le pays d'Assemblée nationale. Heureusement, j'ai pris l'arrière. Mais, et, dans le cas, Magali habite en marronnette lui-même. Parce que, on connaît pas. Mais, heureusement, il y a qui a grain basse melon. Ouais, ok. En avant, ça va, heureusement, j'ai toujours. Craser conseil là. Jean Louis. D'ailleurs, nous, c'est lâche. Monsieur lâche en pile, nous allons parler de villa d'accueil pour y aller installer. Vous connaissez ça, vous avez fait? Parler national, tout nos zones de nos doigts. Oui, après villa d'accueil, tout nos zones de nos doigts. Villa d'accueil, vous tourner l'autre semaine. Vous allez tourner l'autre semaine dans nos zones de nos doigts. Parce que, en s'asseyant pour regrouper, avec l'appui international, au détriment des pays, au détriment de nous-mêmes. Ils ont tué le président, nous. Et c'est en entendant nous.
Yassine, tu fais très mal dans le pouvoir. Yo mène nous là. Yo pas qu'à prendre la rue même pour faire réunion. Sans dans l'hôtel, y'a caché. Et puis c'est yo qui a nommé moun dans le conseil ça. Yo qui a nommé moun dans le conseil présidentiel. Yo qui a nommé André Michel, pas qu'à paraître là pour moun même voir nos machines. Mais les cas sur le côté, c'est les cas nommé président. Ok? Gérald Jules, dernier tournée, c'est parce que le pays a son justice à double tranchant. Moi-même, pendant la persécution, pendant Gérald Jules, au mandat, à l'interdiction de Panamé, il est dans le conseil présidentiel. Pendant Fritz Alfonso, à mandat interdiction de Panamé, mandat d'âme de réel, Léonide Paré, il vient comme président de rupture de transition. Et puis, tous les médias, nous-mêmes qui parlons, nous-mêmes qui dénonçons, nous prenons pour moun fou. Nous disons c'est moun fou. Après, occupez-vous, heureusement. Nous pas même consulté les documents. Ça nous. À l'étranger, tout côté nous parlons, nous voyons les documents, nous voyons les preuves. Ici, nous voyons les preuves. Mais nous pas même dit rien. Eh bien, nous faisons conférence matin pour nous dire. Un, responsabilité, ça va tomber, ça. Cap gagné, ça cap passé, ça quoi le passé dans le pays. Famille Lavalas, aide, Red, faut nous dire Red là qui est. Red là c'est docteur Claude Joseph, ancien ambassadeur, ministre des Affaires étrangères, Jovenel Moïse, premier ministre AI, Jovenel Moïse, qui participait. Qui cautionne, qui fait le complice à partir de jeudi à Rosemont Gentil, assumez. À partir de jeudi à Rosemont Jean, votre serviteur, que vous prenez sous responsabilité, que vous demandez docteur Claude, et s'il est si même fait diffamation contre lui pour l'attaquer, ma diffamation. Claude bel et bien participé dans l'assassinat de Jovenel Moïse, et démarche qu'il fait au niveau conseil là, c'est pour au bailler au ministère de la justice. Pour le ministère de la Justice capable de permettre de passer maintenant un coup d'appel pour que la dernière décision qui prend quelqu'un pour prendre un coup d'appel là pour retirer non assassinat Jovenel Moïse. Vous avez du bagage désir. Bon.